Le collège Guilleminot de Dunkerque est l'un des deux collèges du Nord à avoir décroché sa troisième étoile en approvisionnement local. Une fierté pour le chef de cuisine et pour son équipe, et surtout, une récompense pour leur engagement au quotidien. Je faisais en sorte d'avoir les trois étoiles en commandant des produits frais, produits locaux, et surtout, pour avoir les trois étoiles, il faut un pourcentage en produits bio. J'ai accentué mes commandes avec des pâtes alimentaires qui sont en bio et locales. Mon pain est bio et cuit au feu de bois sur Dunkerque. Les légumes, un petit peu de légumes et fruits en bio. Cuisiner local, c'est un défi relevé chaque jour par le chef, qui prend plaisir à concocter de bons petits plats pour les élèves et à leur faire découvrir un tas de légumes frais. Aujourd'hui, ce sont des brocolis qui accompagnent des bouchées à la reine. La qualité est très bien. Souvent, ils mettent des assiettes avec ou sans légumes, ça dépend des choix. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait des produits locaux, oui. C'est mieux, ça permet aux producteurs locaux de... ça les aide. L'approvisionnement local, c'est un travail du quotidien qui nécessite de changer ses pratiques, tant dans les commandes que dans les préparations des repas. Une démarche encouragée à 100% par le chef d'établissement. Ce plaisir de cuisiner lié à l'approvisionnement local fait découvrir à nos élèves des nouvelles saveurs. C'est un moment d'échange où les élèves vont, je dirais, quitter la salle de cours et ils vont pouvoir se ressourcer pour l'après-midi. Le label « Ici, je mange local » récompense chaque année les collèges et établissements médico-sociaux engagés dans une démarche d'approvisionnement local. En 2020, 178 collèges ont été labellisés une, deux ou trois étoiles, ce qui représente 98% des collèges du Nord engagés dans une démarche durable.